Salut tout le monde, c'est PlayerGamer. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Rise of the Tomb Raider, donc 6ème épisode, les amis. Alors, avant de commencer, un grand merci pour l'accueil de la série, les amis. J'ai vu les deux premiers épisodes ont été lancés sur la chaîne, donc un grand merci parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc je vois que Rise of Tomb Raider vous aimez bien. Ce qui m'a étonné, mais vous aimez plutôt bien les Uncharted et les Tomb Raider sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Donc c'est parti, on s'est arrêté ici, donc on s'était retrouvé en prison. On n'a plus d'armes, c'est vrai, effectivement. Ah. Effectivement, on n'a plus d'armes, donc il va falloir s'évader par d'autres moyens. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? Quand je le saurai, ah, je ok. Bon, on va casser le mur. Attention. Et une troisième fois. Voilà! Ils ont sûrement entendu. Raison de plus pour ficher le camp plus vite. Il y a un homme qui nous parle là à côté, je sais pas ce qu'il veut, mais bon. Et on s'est fait trahir du coup. Par notre belle-mère. Cool, mon arc. Et ça, c'est quoi? Vous voyez une sortie? Non. Mais j'ai trouvé des choses qui peuvent nous être utiles. Nouvelle arme acquise, arc. Ah ok, c'est un autre arc. D'accord. Pourquoi pas. Doucement. Il ne faut pas qu'on attire leur attention. Et il faut que je vise ça où? Vous pouvez sortir? Attendez, faites-moi sortir. Je peux vous aider. Pourquoi je vous ferai confiance? Nous ne sommes pas des ennemis. C'est une évidence. Je pense que vous le sentez aussi. Je préfère travailler en solo. Je connais cet endroit. Et je connais les alentours. J'apprends très vite. Ça ne fait aucun doute. Je détiens des informations qui vous intéressent. Je sais ce que vous recherchez tous. Merci beaucoup. Je suis Jacob. Lara. Prenez ça. Au cas où on serait séparés. Ne traînons pas là. Okay. Il est bizarre, lui. Ronde. Il devrait pas tarder à arriver. Vous savez où est la sortie? Ouais. J'ai largement eu le temps d'étudier cet endroit. Depuis quand vous étiez enfermé? Depuis assez longtemps pour savoir que Constantin n'abandonnera pas avant d'avoir trouvé ce qu'il cherche. La source divine, elle est ici? La confiance doit aller dans les deux sens, Lara. Qu'est-ce que c'est? Une leçon d'histoire. Cet endroit est lourdement marqué. C'était un camp de travail. Les soviétiques envoyaient des prisonniers ici, pour travailler dans les mines. On ne dirait pas une exploitation. Ça ressemble plus à des fouilles. Ça, c'est très ancien. Qu'est-ce qu'ils ont déterré? Vous le leur demanderez. Il faut qu'on y aille. On n'est pas en sécurité ici. Ah. J'ai enfin dévoilé mon jeu. C'était la belle-mère. C'était la fameuse belle-mère.
Oh, un coffre, mais c'est génial ça. C'est pour une arme en plus. Pièce d'arc à poulie. Ah, dommage. C'est pas le pistolet. Je crois que je l'ai perdu le pistolet, hein. Je crois pas, je pourrais le fabriquer. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'ai perdu mon pistolet que j'avais. Déjà, ça c'est con. Ce l'arc, il est bien, mais il est pas aussi bien que le flingue, quoi. Notre meilleure chance de nous échapper est de nous rendre. Ah, si, je l'ai. Et attends. Une fois là-bas. Mon village se trouve dans la vallée, côté de la montagne. On y sera en sécurité. Scrin tout ça. Poste de commandement 2, dernier hélicoptère en partant. Bien reçu. La dernière cargaison. Signale des problèmes au centre de transmission. Encore des natifs. Négatif. On a chopé un intrus armé. Du bois, cool. Il y a beaucoup d'ennemis là. C'est bon. Allez, sortons ce truc d'ici. Constantin veut une équipe à l'usine de cuivre avant que la tempête s'installe. Ouais, j'ai déjà fabriqué mes flèches. Bon, écoutez les amis, si j'ai un peu du mal, c'est normal parce que... Casse-toi. Casse-toi. Voilà. Ça va. L'arc qui one shot, c'est plutôt cool. Bien si one shot. Ouais, si je suis cool, c'est pas le problème. Je les vois pas. C'est un dernier, mais je sais pas où il était en bas. Voilà. Je pense que la menace est envolée. Je crois que les amis, on a récupéré un arc, mais encore mieux, encore plus puissant, et on a récupéré des balles, ça c'est plutôt cool. Bon écoutez, si l'arc peut one shot, on va rester sur l'arc quand même. Jacob,
J'ai trouvé un moyen d'ouvrir la porte intérieure. Dirigez-vous vers la cour. Je suis déjà là. Trouvez Jacob. Pas de problème, mais je sens qu'il y aura de l'ennemi. Poteau d'ancrage de la corde. Et ça fait quoi? Bon, ouais. Ouais. Je comprends pas. Il me dit d'enrouler la corde, mais je comprends pas comment on fait. Mais encore. Non, là pour le coup, là je comprends pas. Ouais, ça fait rien. Maintenez LT pour viser. Flèche grappin, viser la corde enroulée pour créer une tyrolienne. Ah là! Et ouais, mais je suis con. Ah d'accord, bah oui, je suis sacrément con. Effectivement. Les patrouilles sont en route vers les sites de fouilles les plus importants. Là, là et là. Et les installations. Anna, il faut que j'arrive à entrer. Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Fais gaffe, Lara. Mais je veux aller examiner ces ruines par moi-même. Et pour Croft? Pour l'instant. J'ai vraiment hâte de quitter cet endroit de malheur. Alors j'ai de bonnes nouvelles. La mission de reconnaissance. Les natifs ont une colonie. Elle est de l'autre côté de la montagne. Enfin. Ton heure de gloire approche. Notre heure de gloire, du moment que tu ne t'écartes plus du droit chemin. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es très attaché à elle. La fille de Croft, autrement elle ne serait plus en vie. Mais on ne peut pas s'apesantir sur le passé. Tu doutes de moi? Tu sais ce que j'ai donné au Trinitaire? Ce que j'ai sacrifié? Ce que je traverse? Ça va aller. La vie ne nous a pas gâtés, ni l'un ni l'autre. Mais je t'ai juré de toujours te protéger. Et c'est moi qui suis sentimentale. Tu verras. Tout ceci en valait la peine. Avec la source divine, tu seras sauvé. Et plus important encore, tu vivras dans un monde purifié de tout péché. Envoie tes hommes dans cette colonie. Découvre ce qu'ils savent. C'est trop dangereux. Laisse-moi ce petit plaisir. Tout ça n'aura plus d'importance. Le jour où tu auras accompli ta mission. Constantin, on vous demande aux cellules de détention. Toi et moi ensemble, grande sœur. N'oublie pas. Pour toujours. Mais qu'est-ce que vous faites? Lorsque l'humanité sera jugée, les non-croyants seront changés en cendres, puis balayés. Les purs seront révélés au grand jour, et la vie éternelle leur sera donnée. Par
Partez devant, je vous retrouverai. Ils sont là, quelque part. Continuez à chercher. Il faut qu'on trouve où ils se cachent. Ok. Tu calmes. Il faut que je trouve un bon bah, on s'en va, les amis. Ils sont là, quelque part. Continuez à chercher. Aucun problème, top de connaissance. Améliorez vos compétences au feu de camp. Bah, je suis pas encore tombé sur un feu de camp. Vite, faut que je file d'ici. Allez, cassons cette porte, les amis, c'est parti. Bon, on avance bien en fait en 20-30 minutes sur Tomb Raider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ouais, ok. Donc LS, les amis, pour ceux qui connaissent pas la Magnetic Box, hein, c'est comme la Magnetic Play, c'est le joystick, voilà. Joystick du haut à gauche. Je crois que là, je fais ça pour rien. Attends, on peut peut-être mettre... Il faut que j'arrive à sortir ce câble de l'eau. Ah, d'accord. Peut-être avec cette vieille manivelle. Voilà. Là, on a quelque chose à moulinner. Oups, excusez-moi les amis. Fais pivoter pour actionner un mini-level. Ah, voilà. Voilà. Ça m'avance à pas grand chose si. Pourquoi tu me l'as tant que je passe? Non, merde! Non! Allez! Tu vas crever! Merde. Pas mal ça, la vision de Lara. Dégage. Ah, sympa, j'ai le fusil d'assaut. Pourquoi pas? Là, ça commence à devenir intéressant. Bim, headshot. Je vais essayer de s'appliquer. Et voilà, casse-toi. Ah, j'aurais dû utiliser ça. Flaque d'huile, ça aurait été encore plus marrant. Bon, c'est pas grave, c'est pas le plus gênant. Maintenant, B, pour l'explosif. Pas mal ça. Bon, ça, je m'en sers plus, je m'en sers plus de force.
Tac. Carrément. Le mec, il a explosé le décor, quoi. Cool. Ça, je prends. Bon, je sais plus comment le planquer, les amis. Si on peut se planquer, je sais plus. La touche. Mais bon, ça va, alors. Ça va. Feu de camp. Pour la première fois depuis des semaines, les choses semblent claires. Je sais que cet endroit cache un secret. Les soviétiques ont essayé de le découvrir aussi. Et maintenant, les trinitaires. Et Anna. Anna, bon sang. Deux points de compétence. Je n'arrive pas à y croire. Pendant tout ce temps. Est-ce qu'elle espionnait papa aussi? Je dois repartir. Trouver Jacob et me rallier à son peuple. Si j'arrive à leur prouver ma valeur, peut-être qu'il m'en dira plus sur cet endroit. Ouais, chasse, ça m'intéresse pas. Hop, voilà. Ok, on est bien, les amis. On est bien. Ça fait combien de temps? Ça fait 22 minutes. On va continuer encore un petit peu. Si on s'arrête dans les 20 minutes, je préfère plus m'arrêter dans les 30. Allez, je sais que t'es là. Putain. Voilà, crève. Foiré. Oula. Ennemi repéré. Ellie seule. Allez. Oula. Call of. Call of Duty, c'est là. Merde, la batterie. Non. Casque. Ok, je suis pas.
Ça va être un mec du GI, il battra pas. Il crèvera. Comme tout le monde. Casse-toi. Voilà. J'ai eu son compte, je tire. Bon, je crois que c'est bon. Moi, je les ai suffisamment calmés. Bon. Bah les amis, on s'arrête ici, hein, j'espère que vous aura plu cet épisode 6 de Rise of the Tomb Raider. Merci à regarder et à très vite pour la suite. Bye tout le monde.